promets le prochain, on y parlera quelques. Celui-là, il faut pas trop se fier au mot, il parlait que de cul quand même. Attends, je vais vous raconter une histoire. Ah, ça va, j'ai un peu le droit. Ah, bien sûr. Merde, c'est mon moment là. En fait, c'est... Je voulais pas vraiment faire un album de cet album, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Et j'ai posé toutes ces chansons en un coup, en fait c'était plus pour les avoir personnellement. Et puis j'avais trouvé que bon, les textes étaient quand même tellement bien écrits. Et puis, non mais j'avais trouvé que, ouais, qu'il y avait un truc qui était chouette, donc j'ai repoussé l'album rock en fait, j'étais parti sur l'idée de faire un album rock. Et donc j'ai décidé de livrer ça comme une espèce de photo. Puis je trouvais ça pas mal de cet exercice de style de traiter que de la rupture. Vous l'avez remarqué. Mais non, mais c'est vrai que c'est quand même un exercice parce que j'ai dans les albums d'avant j'avais pas de chansons là-dessus. C'était plutôt des trucs positifs, genre moi j'irai tuer mon père. Et on n'était pas là-dedans quoi. Et ça s'est fait, et c'était, j'ai pas mal d'entre elles en fait, c'était carrément quasiment de l'improvisation en live, notamment celle qui vient, qui est une de mes préférées, qui s'appelle Tango. Et en fait, toute la chanson, comment elle s'est fait, parce que le texte était très long, et c'était vraiment improvisé, c'est fou comme laisser la place à l'instant peut parfois faire des choses qui sont chouettes, enfin que moi j'avais trouvé chouettes, parce que donc je vous explique comment ça s'est passé. Donc je regardais le nombre de couplets, je me suis dit putain, pff, on va se faire grave chier en fait. Et donc je l'ai commencé au doigt, et puis j'avais mon médiator là sur mon genou, je me suis dit bon, si jamais tu sens qu'il y a t'as un besoin de dynamique, tu prends le médiator, ça fera toujours un changement de texture. Et en fait, avec ça, en fait, le fait de prendre le médiator à la fin du premier refrain est venu le fait de chanter tout de suite grave. Et après, à l'écoute, je me suis dit, putain, c'est fou, on dirait un duo entre un peu à l'Almodovar, entre un trave et son amant. Et non, mais c'est pour ça que c'est ma préférée, je crois.